La nouvelle femme de tonton Jimba Musica, c'est Aja Ranchou, Dorsa 3. Il s'en de fête et tu as l'obligation de te réveiller très tôt. Quand même, tu sais, avec tout ce qu'il y a eu dans la nuit, tu pourrais pas quand même me réveiller si tôt. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pas se lever, contempler le soleil et nettoyer les ongles comme tu as l'habitude de faire. Jimba, laisse-moi tranquille. Je te connais avec les problèmes. Laisse-moi tranquille. Il y a même quoi? Charlotte, c'est à moi que tu dis ça. Laisse-moi tranquille. Bouche mal la caillou. Salope que tu sois, je vais te toucher. Mandiru, malam ça en est, il gagne encore. Dans la chambre. El chevritos del tonton Jimbamos. Oh, c'est ça en espagnol. La chèvre de tonton Jimbam. La chèvre de tonton Jimbam. Y'a quoi, y'a? Bonjour, papa. Il faut une éternité pour répondre à mon appel. Papa, j'étais en fausse du poule, ouais. Et je suis rentré tard. Tu m'as cherché, papa? Sûrement, ce voleur t'a vu partir. Je sais pas de quel voleur. Mon fils, suis-moi. Le dernier bout qui nous restait pour doter la femme de ton frère a été emporté. Merde. Pumbala. Ah! Qui peut avoir le courage de faire ça? J'ai vu le voleur. C'est qui donc? Il est du quartier. Vas-y, je te le trouve, mon fils. C'est sûrement le porte-monnaie de ce voleur. Macha. S'il te plaît, il faut savoir m'adresser la parole. J'ai une main difficile. Ça, c'est l'hôpital. L'autre ici, c'est la mort. Oh, Macha, il y a un petit jus. Donne-moi ma veste là-bas. Mon porte-monnaie. Mais de quel porte-monnaie parles-tu, Nji? Mais j'ai deux porte-monnaies. Je te parle de mon porte-monnaie. Quand tu m'insultais, je l'avais sur moi. Qu'on va pour ça, Chanema? C'est toujours comme ça que ça commence. On était ensemble. D'ailleurs, je ne t'ai pas vu avec un porte-monnaie. Objection rejetée. Comment madame a su que je n'avais pas de porte-monnaie sur moi? Parce que je ne t'ai pas vu avec un porte-monnaie. Sous-sous-nous, que n'a mon patamonou, c'est pas mon argent en brouillant. Enlève 5 000, tu me donnes 295 000. Hé, Nji, je ne peux pas quand même te faire ça. Tu me connais assez. Peut-être tu as oublié son marché où tu achetais la chèvre.
la vie est belle. Tu m'as dit que tu n'avais pas d'argent, non? Un grand n'est pas un petit. Maman, laisse. Le repé connaît où se trouve la chèvre. Il a vendu. Jacob, j'ai vendu ma chèvre. Mais au prix du chameau. Non! Je ne suis pas des dames, non! Je ne peux pas accepter d'acheter une chèvre à 300 000. Celle-là, ça vient vers où? Non! La chèvre à 300 000, m'invite un coup comme moi, m'invite un coup comme moi, et maintenant, aïe, maintenant, je me donne qu'elle a dit. Mon frère, tu parles de quoi? Attends, papa. Non! Non, non, monsieur, je ne peux pas! Mon nom, sachez que mon nom est bien. Avec mon argent. Attends, papa, il parle de quoi? 300 000 de quoi? Mon frère, laisse. Je te présente mon voleur. Ah bon? Ah bon? Je suis voleur. Donc, quelqu'un ne peut plus blaguer avec vous. Hein? On ne peut plus emprunter une chèvre chez vous. Admettons que je sois voleur. J'ai bel et bien volé. Je vous remets votre chèvre. Vous me remettez mon argent. Tenku Kamoni, 300 000. Je veux mon argent. Ici. Ici là. Une chèvre. C'est le bœuf. C'est le bœuf. C'est le chameau. C'est le chameau. La famille de voleurs. Méfie-toi. Va là-bas. Méfie-toi. Va là-bas. Va là-bas. Papa, je crois que la justice populaire existe bel et bien chez nous. Mais brûlé. Il faut te... Ouais, j'imba. Ouais, Nano. Mais brûlé. Tu as mesure. Justice populaire, mon fils, laisse ça. Qui récupère son argent. Je veux juste ma chèvre. Papa, je dis non. Voilà. Je dis il mérite qu'on le brûle. Ah bon, hein? Tu vas voir. Viens directement, tu as de quoi? Vas-y. Viens. Et non, laisse sortir, tranquille, voleur. Je suis un voleur. Laisse sortir. Je vais te brûler. Sainte Vierge, tu es la mère de l'humanité. Tu es la mère du Fils du bon Dieu. Tu veux dire que tu ne me vois pas souffrir? Maman, si ça continue comme ça, si ça persiste, je te donne 2 jours pour m'islamiser. N'oublie pas que j'ai donné la moitié d'argent de ton monument dans cette paroisse. Plaide pour moi. Demande à ton fils de causer avec son père. J'ai trop de problèmes, maman. Bonjour maman. Consommatrice de ton état, je demande, je veux savoir pourquoi tu menaces mon fils tous les jours. Qu'ai-je encore fait maman? Tu ne vois pas ce que les femmes font pour aider leur mari, pour sauver même leur ménage? Hein? Regarde ce que les gens sont en train de faire, ce ne sont pas des filles, des jeunes filles comme toi. Tu sers à quoi, grosse consommatrice comme toi? Maman, même, tu oublies une chose, la femme est une ménagère et j'en fais mon travail. C'est pourquoi ton fils ne se plaint pas. Non, maman. Tout au contraire, c'est elle qui m'insulte tout le temps. Ah bon? Maman. Ça, c'est une femme. Maman,
Allons nous asseoir. Allons. Allons nous asseoir. Non. Allons. Elle va partir. Écoute la façon dont elle me parle. Hein? Tu veux partir. Écoute alors. Donc maintenant, c'est maman qui fait le choix des femmes pour son fils. D'ailleurs, belle-mère, je n'irai nulle part. Je suis là. Ma belle fait appeler le français. Je n'irai nulle part. Tu n'irais. Avec ton irai là, tu vas souvent dormir avec ton fils. D'ailleurs, il n'est pas obligé de t'obéir. Madame, il est obligé de m'obéir. Il a sucé les seins ici. Pendant un an, je te le dis, c'est mon fils. Écoute alors, il a sucé tes seins juste pendant un an. Les miens, il les suce encore jusqu'à. Et je ne sais même pas quand est-ce qu'il va arrêter. Et tu lui dis ça à Charlotte, tu es obligé de lui dire. Jimbam, c'est comme ça que ça commence. Fais-lui comprendre que tu es porté dans ce ventre pendant 9 mois. Oh. Pendant 9 mois, oh. Il n'avait que 3 kilos. Et tu te plains. Aujourd'hui, il en a 85 et moi je le porte toutes les nuits sans me plaindre. Comme les filles d'aujourd'hui n'ont plus de respect à l'endroit des grands là, je vais te dire une chose. Je l'ai nourri depuis sa naissance jusqu'au jour où il t'a épousé. Je dis bien jusqu'au jour où il t'a marié. Depuis que je l'ai épousé, je le nourris. Et je vais le nourrir jusqu'au jour de sa mort. Laisse-moi, je vais finir avec elle. Laisse-moi. Ça, c'est que j'ai de faire. Faut me laisser. Ferme ta bouche, vieille salope. Il est sorti d'ici. Je dis bien d'ici. Tu as compris, non? Toi aussi, aïe. Il est sorti d'ici. Ah, il est sorti de là une seule fois. Chez moi, il entre et ressort toutes les nuits. Jeanne, comment? Comme ça, il ressort tous les nuits. Tu as envie de parler de ça à la télé? Il a dit le seul à la Va là-bas. Tu ne dors pas dedans. Je sais, mon fils Jimba. Je vais te dire une seule chose. Si tu ne fais pas partie de cette femme, ne m'appelle plus jamais maman. Tu ne vois pas ce qui se passe à la télé. Tu vois ce que les lions font à la télé. Il y a un Ghana Mouiche. Il y a Fajin Larissa. Ou l'autre là, c'est qui encore? On gagne aussi quoi là. Et de ce quoi? Joyeux shoot à Jara. Et avant que ne quitte son club, on lui a remis combien? 50 millions. 50 millions. Je dis bien 50 millions. Et à chaque jacques, chaque match que ses enfants la livrent, chacune a 5 millions. 5 millions. Oui. Et tu sais de quoi ce qui se passe? Et ton fils. Oui. Hein? Et ton fils, le pichichi de ce pays, du monde entier d'ailleurs, donne à chacune une montre en diamant et des caleçons en or. Donc, ce qui revient donc à dire que si ces filles-là remportent la finale. Paul Biya, le président de la République, a promis un milliard à chacune. Les filles ont donné la parole à leur maillot. Voilà un maillot sur toi qui ne te sert qu'à tailler les ongles. À tailler tes ongles, regardez. Moi, je porte le maillot pour supporter les lions. Regarde-toi. Tu ne vois pas l'entraîneur du Nigeria. C'est une vieille maman comme toi. Tu fais quoi là? Tu vas partir. Charlotte, quitte la scène avant qu'elle ne te quitte. Tu as manqué le respect à maman. Et c'est maman qui a le dernier mot. Adjara, le programme c'est quoi? Il est quelle heure là? 12h. Ok, attends, j'appelle pour là, ce stade. D'accord. Allô, papa? Allô? C'est ton nouveau numéro ici? Oui, c'est mon nouveau numéro. Ok. On t'attend juste après le match, non, maman? Oui, papa. S'il te plaît, ma fille, ne viens pas seule. S'il y a moyen, viens même avec le président de la CAF. Je serai là juste après la finale avec mes coéquipiers. Ongène et Ngène Moué. Juste pour l'ongoune. Avec ton chanté qui n'est pas encore fini là, on va faire comment? On m'a parlé d'un hôtel là, juste à la distance de Dallas là. Je vois. Je vois l'hôtel là, c'est l'hôtel de Nelima. Nous aimerions que tu nous réserves 3 suites. Ben, que j'aura. Jusqu'à 3 suites. J'aurai même mes 2 coéquipiers. Non, ma fille, ne recommence pas tes gaspillages là. Il me faut doter une deuxième femme. Juste après la canne. Niba. Ce que je ne comprends pas. Vous vous êtes déjà vu? Ah, tu parles de quoi? La tradition musulmane demande ceci. De passer par les parents pour avoir leur fille. Et c'est ce que je compte faire.
Est-ce que la petite sera d'accord? La dernière décision vient de ses parents. Dès qu'il valide, c'est bon. Gars, si tu réussis, ça sera bien pour nous tous. Je sais qu'ils seront d'accord. Non, 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 là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Vraiment, je ne suis pas d'accord. Écoute, Anna, je reste et demeure le père de Ajara et le dernier mot me revient. J'ai. Ils ne se connaissent même pas. Es-tu sûr qu'Ajara pourra l'aimer? Je te comprends, mais c'est un peu étrange. C'est pas la première fois qu'on célèbre ces gens de mariage ici dans ce village, non? Mais là, c'est le contraire. Ici, il s'agit d'un homme et de toi, Jimba. Belle-mère, belle-mère, nous disons presque la même chose. Peu importe, après le mariage, j'irai retrouver ma belle Ajara. Oh. Mais revenons sur terre. Le problème se pose à quel niveau, ma soeur? C'est pas pour rien. Et c'est pas mauvais si Jimba jetait son dévolu sur votre fille Ajara. C'est-à-dire, il la supporte déjà parce qu'il l'aime. Et après le mariage, il va l'aider à mieux gérer son argent. Elle ne pourra plus gaspiller son argent n'importe comment qu'on font les autres. Et pas par intérêt. Parce qu'il l'aime. C'est-à-dire, mon fils l'aime tellement que j'ai mal à la tête. Bon, vous pouvez vous-même aussi constater. Voilà, hein? C'est le dorsal numéro 3. Je m'habille toujours comme ça, dorsal numéro 3, la belle Ajara joue. Et c'est l'amour, hein? C'est l'amour. Parce que même en mangeant Ajara, en jouant, en se lavant, il chante Ajara. Même dans la nuit quand il dort, il ne rêve qu'Ajara. Et c'est Dieu qui a fait, c'est pas lui qui a fait, ma soeur. Très bien parlé, Nassou. Vous êtes la bienvenue. Ah, d'ailleurs, je l'appelle. C'est déjà à ce niveau-là. Vraiment. Tu vas me faire voir de toutes les couleurs dans cette maison. Hein? Tu es une femme comme moi. Et je sais ce qu'il y a de mieux pour toi. Laisse passer ce mariage. Et je crois qu'un jour, c'est toi qui chercheras à me dire merci. Pour avoir vu le bonheur. J'ai dit le bonheur que ta fille aura eu. Ma fille a chère. Ma chère. La star internationale. Allô. Allô papa. Allô Ajara. Oui, le moment est mal choisi, j'ai un truc au stade. Non, non, non ma fille, écoute-moi un instant. Je suis avec le coach. Devinette. Oh, net papa. Tu sais quoi? J'ai trouvé un beau mari pour toi. Non papa, je ne suis pas prête. Qu'est-ce qu'elle a dit? Sans problème, elle est d'accord. À la reine, que Nézézé, et moi, tu sais, ça dit, je suis tellement contente que je ne sais quoi dire. Voilà donc ce que demande notre tradition. Bon, papa, un grand bon. À la reine, merci beaucoup, merci. La belle mère de ma fille. Vraiment, dorénavant, Ajara, votre fille est entre de bonnes mains. Soyez sûr, sans crainte, je vais la garder. C'est ma fille. Merci. Et puis, nous ne sommes pas venus seuls. Oui. Et il y a le meilleur ami de Jimba. Oui, petit Paul. Aïe, merci, papa. Merci, papa. Mon fils, approche, approche. Tu sais, entre dans le jeu tout de suite. Vas-y, prouve à ton beau-père que tu es quelqu'un et que tu t'y connais. Vas-y, vas-y. Bon, c'est arrivé. C'est quoi mon frère? Elle est déjà là. Qui? J'ai parlé une chou Ajara, elle est déjà là. Ajara, elle arrive aujourd'hui. Oui, elle arrive aujourd'hui, non? Ah bon? Oui, oui. Mais tu peux bien voir. Ajara arrive aujourd'hui. Elle arrive aujourd'hui? Bah, tu es pas au courant? Attends, 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 j'enlève mon téléphone, tu vois. Attends. J'appelle d'abord sa copine. Petit Paul, viens, non?
Allô? Oui, princesse. Allô, Nanfol. Bon, attends, que ta copine arrive aujourd'hui? Mais lundi est noir, Jara. Aujourd'hui, hein? Bon, merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, tu as raison. Et toi, ton boulot, c'est quoi? Fan club à Jara. Fan club à Jara. Hein? Mm-hmm. Et je vais vous trouver une voiture. N'est-ce pas? Ouais. Vous allez la tendre au pont du Noun. Et c'est qu'elle va vous remettre. C'est 50-50. J'aurai la moitié. Tu me suis? Mm-hmm. Bonjour, champion. Bon, il me vient de me faire comprendre un truc. Hein? Oui. Donc, Ajara arrive là. Et c'est qu'on va faire. Lui, il est du fan club. Et toi, tu me trouves une voiture à super confort. À l'agence super confort. Oui, oui, c'est pour son fan club. Ah. C'est pour le fan club, n'est-ce pas? Hein? Fan club. Pardon, gars. Oui. On se retrouve à Fumbot, sans transition. J'ai dansé hier ce matin. Avant, comme toi, tu sais danser là. Ah, oh, pas de quelque chose. Ah, la bagnole. Oh, Acharas. La lion est au top. Photo. One did not want. Let's
Tu vas revenir. Oh la maman. Je sais à toi, merci, merci. Merci. Coach, vous m'attendez à l'intérieur avec mon frère, mon chat. Même à la morgue, la veuve porte mêlée. Même ceux qui ont des problèmes de vision, eux ils portent mêlée. Panda malin, dégage là. Alors, voilà, tonton, tu étais vraiment génial hier. Hein. J'ai vraiment kiffé. C'est mon boulot, hein. T'as pas à me remercier. Ouais. Elle m'a dulciné. Hein, mon cœur, hein, bébé. Dans ça, trois. Maman, je ne m'attendais pas. Ah bon? Ouais. Bon. Ajara. Ajara. Oui. Regarde-moi dans les yeux. Je suis une diva. T'as causé avec papa? Maman, on le voir. J'ai rencontré papa et avec ma famille. Et tu comprends un peu? Et là-dedans, c'est bien passé. La quoi? Mais tu es ma femme. Quoi? Ta femme? Mais... Depuis quand? Non, mais puisque tu étais occupée pour la canne, je ne pouvais pas t'appeler, on ne pouvait pas te déranger. Non. J'étais dotée. Tonton, ne me fais pas rire. Me doter? Le sadaki de 6250, j'ai remis ça entre les mains de tes parents. Tu es musulmane. Et la tradition musulmane demande qu'une fille de ton âge doit aller en mariage. Je n'ai que fait mon devoir. De quel devoir parles-tu, papa? Hein, du mariage forcé? Mais non, non, j'ai encore du parcours à faire. Comprends une chose, ma fille. Le football n'empêche pas le mariage. Je t'aime du point où j'ai composé une chanson à ton nom. Ah bon? Oui. Puis j'ai écouté. Et c'est ça. La vraie magie, c'est le travail. Et la lionne est domptable dans sa croix. L'appel Ajara. La vraie magie, c'est le travail. Et la lionne est domptable dans sa croix. Prison de conscience. Et c'est pour toi. Ok. Et merci, tonton, pour la chanson que tu as intitulée. Oh, non, de rien, de rien, de rien, de rien, mon cœur. Mais il n'y a pas de problème, j'ai été signé un chèque à ton fils. 2 millions. C'est pas un problème d'argent. C'est pas l'argent que je veux. C'est mais... toi que je veux. Non, non, non. Maman, vraiment, je t'aime pas. Dans ce cas, je veux pas. Ah bon? Dans ce cas, je me parle. Mais pas en toi. Quelle tu n'es? Quelle horreur. Tu n'es même pas reconnaissant. Une sorte en herbe. Une sorte en herbe. Il s'en est.